Salut à tous ces gens, c'est The Play X3 et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre Paradox Mini Campagne avec le Saint-Empire et l'Inde Atlantique. Allons-y. Tiens. Ah bien. Ok, tant mieux. Bon, où est-ce qu'on en était? Ah oui, on avait terminé tout ça, ce bordel en Espagne. Ok. Ah, soulèvement Lollard au Saint-Empire. Soulèvement Lollard. Combien de troupes? 7000, à peu près. L'Empire, ils ont beaucoup plus. La chance. En tout cas, les catholiques sont faibles. En ce moment. Ok, Fès a été converti. Donc, du coup, ça donne ça. Oh, la jolie tache noire. Enfin, plutôt grise. Les catholiques ont quasiment été boutés hors d'Espagne, de France, d'Allemagne. Pfff, oh la vache. Incroyable. D'accord. Ah, Lollard. D'accord. En fait, il y a tellement de provinces Lola qu'en fait, c'est même pas des hérétiques qui se révoltent, c'est juste des paysans. Princesse Inge. D'accord. Plus d'escorte. Voilà. Caceres a été converti. Très bien. D'abord. Et on va vous conduire à Rouen. Trêve a été converti. Ok, très bien. Décidément, que de conversion. Hop, tu n'es pas prêt, tu vas hériter. Encore la princesse Inge. Si tu veux. Alors. D'accord. Ok. Voilà, ça c'est fait. Ok, parfait. On va augmenter l'autorité de la couronne de... non. Non, en fait, non. Pas besoin, vu que les... Ouais, c'est bon. Vu que les lois de l'Empire déjà s'appliquent déjà. Ça sert à rien, à part empirer nos relations. Hop. Saint-Empire irlandais nordique. D'accord. Mmh,
C'est dégueulasse. Bref. Neuchâtel a été converti. Neuchâtel. Ah, je dois pousser. Ah, tant pis. Oh. Oula, j'ai pas envie d'éternuer. Si j'éternue, je vais couper le micro. Ah. Eh bien, tu vas te marier. Lui. Allez, Fraticelli et lui, Buddy. D'accord. Ok. Oh, c'est intéressant ça. Et en plus, ils s'aiment. Malgré leur différence de religion. Pas mal, pas mal. Wow, what the fuck is that? What the fuck just happened? Nom de Zeus. Ne dites pas que l'autorité morale des catholiques est aussi merdique pour que le... Mais non, elle est à 98,6. Qu'est-ce qui s'est passé? Waouh. Je suis soufflé. Je suis sidéré. Tout ce que vous voulez. Les orthodoxes vont bouffer tout ce qui reste des catholiques. Waouh. Juste. Waouh. Je suis soufflé. Je vois pas d'autres mots. Que dire de plus? Catholique. Pourquoi on se dirait que ces vassaux ne se convertissent pas? Ça, c'est intéressant, ça. Il a même pas demandé au roi. Pourtant, moi, j'aurais direct fait ça, moi. Mais non. Mais qu'est-ce qu'il fait? Déjà, j'ai envie de dire, what the fuck? Pourquoi il s'est converti, déjà? Comment il l'a fait aussi, surtout? Non, sérieusement, là. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Et là, pour l'instant, je cherche, mais... Pas de vassal orthodoxe, hein. Absolument rien. À mon avis, ils doivent le haïr. Je sais pas pourquoi. Mais je sens la guerre civile approcher, je sais pas vous. Mais c'est vraiment impressionnant ça. Oh, oh, la bande suisse n'existe plus. Oh, mais la... Putain, c'est dommage, la bande suisse, c'était amusant de voir une bande de mercenaires. Oh, ils sont pas drôles les Byzantins. Vous êtes pas drôles les mecs. Eh non, mais là, mais sérieusement là, je vois... Je vois rien pour décrire ce qui se passe, quoi. Bon, il va les convertir ou pas, du coup? Non, il s'en fout, on dit rien. Huh. L'empereur du Saint-Empire romain germanique orthodoxe. Et il fallait y penser. Ah. Attends une seconde.
Excusez-moi. Ma gorge qui s'est retrouvée bloquée pendant quelques instants. Ok. Toujours pareil. Toujours en tête de liste. Ouais. Ok. Oh, oh décidément. Oh. J'arrivais à peine à parler. LOL, MDR. Il est considéré comme le grand alors qu'il s'est converti comme un grand lâche. Enfin, en fait, je sais même pas comment il s'est converti, quoi. Non, mais sérieusement, quoi. Ah, voilà, il a commencé à convertir des gens. Eh bien, décidément. Très impressionnant, tout ça. Très, très, très impressionnant. Eh bien, on va attendre un an ou deux, voir si ça explose ou pas. Pendant ce temps-là, on convertit l'Espagne. Tout ce qui reste de la chrétienté. Au final, on les a repoussés de d'où ils avaient envahi. Hein. À la base, la chrétienté, c'est censé être là. Hein. À la base, la chrétienté, ça avait commencé ici. Hein. Puis là, bah, regardez où ils sont. Voilà, ils sont. Ils sont nuls. Moi, je dis, on devra les repousser jusqu'à Jérusalem s'il le faut, voire les anéantir. Ça serait bizarre, un monde sans chrétien. Ah là là. Ah, ils ont reformé la République marchande. D'accord. Est-ce que tu convertis des gens du coup là? Pour l'instant pas grand monde hein. Ah bah voilà, il commence à convertir tout le monde là. Oh la vache. Il y a même des lollards. Ah, il commence à convertir. Et bien on va le laisser faire son petit boulot. J'ai vraiment du mal à y croire quand même. Ah. Tiens, marie-toi avec lui, c'est une très bonne idée. Non, sérieusement, cette explosion quand même. Boum, on est orthodoxe maintenant. Ok. Si vous voulez, les mecs, hein. Ouais, orthodoxe, catholique, et même pas eu de révolution, rien. T'as le pape, il doit se sentir con à côté de tout ça. À quand un pape orthodoxe, j'ai envie de dire. Ah là, franchement, je vois rien à dire. Je suis juste soufflé. On convertit du monde en Afrique. Eh bien, c'est très bien tout ça. Non, t'es pas prêt. Jamais je leur donnerai de titre. Y'a rien de tel pour avoir des guerres de prétendants. Remarque, des guerres de prétendants, c'est peut-être mieux que des guerres d'indépendance. Ah, c'est vrai ça.
Ça va, tranquille? Non. Oh. Tiens, bah voilà une guerre. Il a même pas eu le temps de le convertir, le pauvre. On va y voir les forces en présence, parce que ce genre de conflit m'intéresse. 14 000 contre 22 000. Ouh, voilà un conflit très intéressant. J'ai hâte de voir la suite. Orthodoxe. 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 Ouais, il a converti quasiment tout le monde. Quasiment, j'entends bien. Et voilà, les guerres civiles approchent là. C'est quand même quelque chose, hein. Waouh. Si je m'attendais à un Saint-Empire romain germanique orthodoxe, j'ai déjà vu l'Empire byzantin devenir catholique, mais le Saint-Empire romain germanique devenir orthodoxe, waouh. Pour moi, c'est une nouvelle planète là, hein. Prophète, prophète et prophète. D'accord. Oh, vas-y. Ah, il a de la bonne diplomatie, hein. Ah. Wow. Alors, le fait qu'il soit pas génie. Eh bien, voilà. Oula. Miam. Ok. J'ai bien ce coup. Boum. Primogéniture. Les vassaux vont pas aimer. Oh mon dieu, une révolte. Lol. Si tu veux. Cet éternuement. Oh, j'ai la gorge complètement. Oh, oh. Décidément. Oh. J'en ai mal à la gorge, tellement c'était violent. On va vous séparer, vous deux. Comme ça, c'est bien. Et voilà. C'est tout. Et bien voilà. Alors, qui gagne? Le Kaiser. Intéressant. Ah, et les conversions commencent. Mais disons que si je m'attendais à ça. Oh là là, cette paradoxe mais la campagne commence déjà à devenir passionnante. Là pour une. La paradoxe mais la campagne, je pense. Ouais. Et voilà. Tout est rentré dans l'ordre dans le Saint-Empire. Il va sûrement lui demander de se convertir.
là là. Orthodoxe. Que les conversions, ouais, en fait, non, le Saint-Empire est bien parti pour rester orthodoxe en plus, c'est ça le pire. Je dis, oh, si je m'attendais à une chrétienté unifiée, quasiment. Eh bien, je pense qu'on peut arrêter là pour aujourd'hui. Hein. Merci d'avoir regardé cet épisode, c'était TheplayX3 et à très bientôt pour la suite de notre paradoxe de la campagne avec l'Irlande. Allez, salut à tous.